ce 11, pourquoi enfin, ce 11, enfin, tactiquement, va garder cette équipe-là. Attention, Stéphane Aziski, but. Oh, but. Le centre de Burkinabé, Badou Diawara, pour un autre Burkinabé, Stéphane Aziski. Oh, qu'il impose le but. 2-0 après 16 minutes au Robert Champoux de Marcory. Pour l'heure, prend son fauteuil de leader dans la poule B. Au revoir. Ah, on va dire que le centre de Banou Diawara était à regarder, était à montrer, à démontrer dans les écoles de football. La reprise d'Asie, elle est superbe, mais je suis sûr qu'il voulait remiser pour Colaté. Mais là, il a eu tellement de réussite. Je veux dire que la SEC est beaucoup chanceuse. Et Konaté, Karim, Fulgence pour Stéphane Aziski. Stéphane, le doublé dans cette partie. Stéphane Aziski qui permet à la SEC Mozart de corser la SEC nous montre ce soir. C'est clair, il s'amène le ballon, il voit le côté ouvert, il ouvre son pied. Voilà, il est un peu gêné hein, par le retour des défenseurs de la SOA, mais il insiste dans, dans sa frappe et puis voilà, il trouve le petit filet. C'est là qu'il fait la différence. Il s'amène bien le ballon et ça, c'est la technique qui fait la différence là. Saint-Gonné dans le tas. Ouf. C'est l'égalisation. Aziski. Incroyable. Incroyable. Aziski. C'est pas vrai. Aziski. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Comment Aziski. Cette défense de la VAT va se laisser surprendre dans le temps additionnel. Je vous l'avais annoncé, c'est cette incroyable. Équipe est capable de le faire. C'est incroyable. Stéphane Aziski, c'est lui là, providentiel de la SEC Mozart. Ah, c'est incroyable. Encore lui. Il est reparti avec un point, Roger. Ben, écoutez, dans un cafouillage, la balle arrive dans les pieds d'Aziz. Voilà, c'est vraiment malheureux pour cette équipe de la FAD. Aziz bénéficie d'un ballon et puis il est à 3 mètres du but. Incroyable, Roger, incroyable. C'est un coup dur pour la FAD. Mais c'est vraiment terminer les actions. Stéphane Aziski, il réussit à se débarrasser de Zougrana. Stéphane maintenant. Stéphane, à très belle passe. Diakité Oumar. Diakité dans la surface de réparation. Diakité. Et puis non. Début. Donné par Diakité Oumar. Et à la conclusion, à la finition, 0. Eric Babou, 0 pour la Et soir. Là, vous avez vu ce qu'on dit et ce qu'on répète. Aziski, c'est le métronome, c'est le meneur de jeu. C'est lui qui vient chercher le ballon, ce ballon en profondeur. Et il a l'intelligence de rester. Il appelle, il attend ce ballon-là. Et puis bien, il ne reçoit pas son premier coup. Il insiste. Et cette fois-ci, ça fait but. Voilà, tout est bien fait. Hein. C'est Aziski qui emmène ce ballon. Il attend l'appel en profondeur. Il a même insisté. C'est lui qui insiste pour que ce ballon-là aille en profondeur. Panique. La panique au niveau de la défense. Ça s'organise. Voilà. Stéphane Aziski, le deuxième but. Aziz, Aziz, oh oui. En moins de 5 minutes, Aziski. Vous avez vu ici, que le deuxième but de la SEC Mimosa. Et vous avez vu que l'équipe s'est désorganisée complètement. Exactement, la défense. Et oui. Ah, vous voyez, c'est incroyable. Bravo Aziz. Bravo Aziz. Je suis incroyable. Très content pour lui. Pour Aziz qui regarde attendait... l'action, le ballon vient de Karim encore, c'est ah oui, ben, c'est, ils s'attendent comme deux larrons, ces deux là. Cette fois-ci c'est Karim qui passe le ballon, est le passeur et Aziz qui a eu la possibilité, il n'a pas exploité, il a eu une seconde chance et puis là il ne fallait pas laisser passer sa chance. Aziz marque son premier but de la saison. Ça va certainement aussi qu'il est en confiance. Ah oui, ça veut dire. Parce que Banou Diawara, la passe pour Stéphane Aziski. Stéphane, il va frapper. Oh, but, but. La SEC Mimosa. But de Stéphane Aziski. Ben écoutez, je vous l'avais dit, j'ai dit ce joueur-là, même dans un mauvais jour, est capable, avec une seule occasion, s'est distingué de forte manière. ASEC a la chance d'avoir ce genre de joueur. Ce joueur capable, dans tous les instants des matchs, faire la différence. Parce qu'il a la capacité de transformer une action en but et Aziz l'a démontré. Il a trompé le gardien tapé qui s'est complètement troué et il a marqué. Bravo Aziz et bravo à la SEC. Roger Wagnin qui fait signe à ses joueurs. Allez saluer le mur jaune. Karim. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait une possibilité de frappe pour Konaté. Aziz, le centre. Oh, contre but. But. Oh, une erreur du gardien. Regardez. Pour tromper le gardien. On va dire que c'est malheureux pour le gardien puisqu'il tombe. Ouais, le gardien a glissé. Il a glissé, mais Zakri. Voilà, la balle arrive tout au deuxième poteau pour Zakri, qui n'avait plus qu'à toucher le ballon dans le but vide. C'est malheureux pour le gardien, mais je veux dire que. Cher avec eux. Ouais. Attention, ils sont 3 contre 3, les joueurs de la SEC Mozart. C'est parti. Stéphane Aziski qui a trouvé l'opportunité. Oh, ce ballon. Cette frappe derrière, c'est l'ouverture du score. Et c'est le but. L'ouverture du score ici. Voilà, on va dire la pénétration de qui Aziz a fait la différence. Et après, il y a aussi l'appel en profondeur de Aziz qui a fait un dépassement de fonction. Il s'est retrouvé carrément dans l'axe et il a réussi à ajuster le gardien Oufo.
même si c'est vrai que Oupo la touche, mais la puissance de la frappe a... Il est toujours dans tous les bons coups de la SEC. Ouais. Diawara Banou est passé par Sebeta Kenema d'Ethiopie, Toubiz en Belgique, Far de Rabat au Maroc. Smania, regardez. Quel beau but de Oubar. Il va recevoir un ballon. Il bénéficie d'un bon ballon. Il réussit son contrôle de balle. Oui. Et il arrive à ajuster le gardien. Quel beau but. Dans la conception, c'était une très grande réussite. Je suis très content pour ce garçon aussi qui sauve son premier but du championnat. Tout à fait. Ça va aussi comme Zakri. Faut pas se louper. Ah, elle est belle cette balle. Konaté Karim. Oh, et puis derrière, j'avais dit que il fallait un joueur capable d'éliminer. Et puis la passe d'Aziz. Et puis l'action. Le but de Konaté. Vous voyez, il n'a pas besoin de 50 ballons pour marquer. Il s'est réalisé. On connaît cette équipe. Ce soir, elle est vraiment méconnaissable. Et bon ballon en profondeur. Konaté Karim. Comme à l'école. C'est ça, ce ballon est bien donné, parfaitement donné, il rate son piqué, hein, et voilà, il tente un piqué, voilà, il met le ballon en bas, il essaie de lober le gardien. Équipier, Oura Aléanissé, Oura, on trouve Stéphane Aziski. Ah, il était... Ah, là, il n'y a pas hors-jeu, attention Konaté Karim, il a l'opportunité d'être meilleur buteur, Konaté Karim. Oura, oui, oui. Ouais, ça permet aux gens, à tout le monde de respirer. De revenir, oui, et puis surtout de revenir. Sad Aziski. Oh là là. Et là, malheureusement... On voit que Diakité, c'est au Konaté. C'est Konaté. Temps. Une autre période, 45 minutes. Ça va être. Qui s'offre. Oh là là. Ah là là, et le gardien, il est sorti. Oh. Konaté. Oh. Il ne va pas. Ouattara Nateré. Ben, le ballon vient de là-bas et vous le ramenez là-bas. Je ne comprends pas. Stéphane Aziz, le centre, deuxième poteau. Vers quoi Dieu Fulgence, il va. Vicieux, chercher le premier poteau. Et voilà, c'est ce qu'il essaie de faire. Et la frappe de Stéphane Aziz. Mais il aurait été sur la trajectoire. Hein. Ça n'a pas été compris. Se déplaçait le centre. Oh là là. Voilà, là il est monté un peu trop. Là, le ballon. Stéphane Aziz, la frappe de Stéphane Aziz. Oh. Dégagée par Ira. Qui lui est très loin de 37 ans. Très jeune. Ah, ça s'est bien tiré aussi ça. Ah, Sergino, il est en difficulté. Sergino. Beaucoup de réalisme ce soir dans le jeu de Mimo. Oui, bon, vous savez, le football, c'est l'efficacité. Et Oura Anissé. Des Karim sont montés, le ballon est envoyé direct. De grandir. Deuxième corner consécutif pour la SEC Mimosa. Oh là, Sergino pour reprendre ce ballon. Sinon. Ranissé, tout droit. C'est pourtant bien appliqué. On voit là encore le plat de pied bien fort. Mais le gardien était bien sur la trajectoire de la balle. Ce duel des buteurs dans cette compétition. Aziz a pour moi beaucoup de mouvements aujourd'hui. On le voit bouger un peu partout. Aziz ah, il voilà. Ah, c'est clair. Allô. Que. C'est clair. Ils ont besoin de retrouver le chemin des filets. Ah, ça c'est bien joué. Stéphane ça. Aziski. Ça c'est bien joué ça. Aziski, on voit un ballon facile pour Oupo. Oupo était vraiment sur la trajectoire. Mais la frappe d'Aziz était très très difficile. Atoula, Aziz, c'est fait. Il y a un gardien qui est très très fort aussi. En position, avec beaucoup de spontanéité, le ballon arrivait à Aziz et à Karim. Aziz, regardez ce qu'il fait, c'est bon ça. Il arrive encore à faire des choses intéressantes. Christophe Aziz, premier poteau. Ballon pour la SEC, un corner. Au premier poteau comme ça, c'est vrai que la vigilance des... Stéphane Aziz. Contre le ballon, une frappe. Mettre tout de suite dans son match, dans le bain. C'est bien essayé. Il monte déjà là. Konaté Karim avec Stéphane Aziski. Stéphane Aziz. Zakri Kreire. Pour son équipe. Oula. Aziz, ce ballon n'est pas. Ah, c'est vrai qu'il a mis la force. Bon, ça manquait un petit peu de précision, justesse, hein. De précision. Mais quand même, ça reste toujours dangereux. Très 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 réaliste, c'est le mot qu'il faut le dire. Et ils ont fait ce qu'il faut en fait, on va dire en jargon dans le genre footballiste. Je pense qu'ils sont très motivés. Je vois contre la SEC est quand même un match référence pour eux. Et qu'est-ce qu'a fait Stéphane Aziz? Une frappe lointaine. Super, Aziz a bénéficié d'un contre. Sa frappe bien puissante mais qui passe à côté malheureusement pour lui.
En tout cas, c'est un avertissement. Zougrana, il savait, hein, c'était téléphoné. On va mettre sur arbitre Konaté Karim face à Banao. Konaté. Il fait un super truc et après il. Attention, attention. Oh là là. Oh, c'est Fonadiski. Il était tout seul. Le ballon lui arrivait directement à la tête. Vous voyez, il n'avait plus qu'à la déposer dans la lucarne. Puisque Indre n'était pas. Dommage, dommage. Il y a des choses intéressantes qu'on voit. Mais ça reste quand même stérile. Très stérile. Ouais. Stéphane Aziski. Stéphane. Avec son pied gauche magique. Allez à la pause. Ah, le ballon, Konaté Karim, Stéphane Aziski, c'est une belle paire. On va changer carrément de côté, retrouver Diakité Oumar. On connaît la vivacité du garçon, le ballon ne sortira pas. Attention, il a déjà un jaune. Oui, mais on ne peut pas faire autrement, on est obligé de jouer. C'est pas pour ça qu'on ne va pas jouer. Stéphane Aziski, voilà, mais attention, il a libéré l'espace, il a l'action. C'est Aziz, contrôle orienté, il fonce. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée déjà. Tactique. Anissé qui est passé à gauche. Ah, qui est très. Ah, ils sont dépassés. Ah, il n'y a pas de faute. Ah, la passe derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Une frappe à Béli. Non, là, mais là. Ça. Bien pas sûr, d'être. Je trouve qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Ils étaient plutôt à 3 contre 2. Ils ont mal exploité cette avance numérique. Regardez, Aziz avait peut-être la possibilité de, voilà, de percuter après faire un centre en retrait. Alors, la frappe d'Oura Elissé contrée. Ballon. Konar Oumari qui est monté un peu plus haut. Aziz qui. Aziz, il porte un peu trop le ballon. Nategué, il est dans son match aujourd'hui, lui. Stéphane Aziz qui. Stéphane. Ah, les garçons de la FAT sont à 7 trous. Il a réussi à passer. Stéphane Aziz. Vite arrivé. Et là, c'est qu'il y a une possibilité de partir en contre. Il faut bien exploiter les contres maintenant. Il faut trouver la profondeur. Stéphane Aziski. Beaucoup. On se bat pour récupérer le ballon. C'était Banou. Le ballon récupéré par Stéphane Aziski. Jimo attendait qu'on siffle pour lui. Ça n'a pas été le cas. Diakité. Il va rentrer dans la peine devant cette défense de Sol FC. Oura Nissé. Oura. Stéphane Aziski dans le milieu de terrain. Stéphane, il a deux possibilités. Diakité Oumar ou Konaté Karim. Il va opter pour le côté droit. Dans les échanges, côté ASEC. Oh, c'est long. Stéphane Aziski. Ah, il faut libérer le ballon, Stéphane. Bien joué, ça. Ah, il prend sa responsabilité. Quand il a la capacité à transformer souvent des. Un ballon perdu. Konaté Karim, Stéphane Aziski. Stéphane, il contrôle le ballon, il cherche du soutien, Stéphane. Ah, il va finalement revenir là. Il joue de façon inerte, il est immobile. Voilà, il profite de s'éclater dans ce championnat-là. Stéphane Aziski. Ah oui, c'est très très bien vu. Coup de Bali. Terminé. Ah oui, c'est une blessure au tibia, oui. Ah, c'est malheureux, ce garçon avait tellement de qualité. J'espère vraiment qu'il reviendra très attention, très fort. Attention, passe dans le dos, on va indiquer. Beaucoup étaient bien sûr en position d'hors-jeu. Il faut attendre un petit peu, beaucoup, on sait.